il y a mon père qui a bien voulu faire l'intégrale de ma présentation et que je pense que c'est plus facile de partager aux gens qui sont à l'extérieur et qui ne comprennent pas toujours le malgache. Je suis une fille hein, comme vous, comme toi. Je suis une fille très ordinaire. Je suis très honorée hein, d'être là aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement pour venir jusqu'à Ndjamoué. Je sais que ce n'est pas tellement la porte à côté avec les embouteillages. Merci beaucoup, Nesta, pour cette opportunité pour moi de partager mon expérience. Ce n'est pas vraiment facile pour moi d'être ici aujourd'hui pour raconter mon histoire. Hein. C'est mon histoire que je vais raconter en fait. Alors, pour moi, c'est un peu bizarre d'être ici parce qu'en partageant avec vous mon histoire, j'ai l'impression d'ouvrir une porte de ma vie privée que je n'ai jamais faite auparavant. Et ça peut engendrer des souvenirs bons ou mauvais. Hein. Et cela va être un peu triste des fois, mais surtout joyeux. Alors, rien dans ma vie ne me prédisposait à ce que je suis devenue aujourd'hui. Rien. Et alors là, rien. J'ai grandi dans un quartier populaire de Tana qui est devenu le quartier chinois. Vous savez où c'est? Oui. Ok. J'ai été élevée dans une famille matriarcale composée de ma grand-mère, de ma mère et de mes tantes. Je n'avais aucune figure masculine vu que mon cher père n'était pas là. Je ne contiens pas le plan, vous ne pas. Et parce que ma mère et lui se sont séparés quand j'avais 2 ans. Le seul oncle que j'avais, il était de 16 ans, mon aîné, et je le considère toujours comme mon frère. Voilà. Alors, il est vraiment très important pour moi de vous préciser que j'ai vécu dans ce régime matriarcal. Chez nous, il n'y avait jamais eu de tâches pour les hommes. Jamais. On les faisait tous nous-mêmes et ça pouvait aller d'un simple bricolage à faire les cabars pour les funérailles ou d'autres cultures malgaches. Et sans le savoir, tout ça a forgé ma personnalité aujourd'hui. Toute petite, j'ai toujours été rêveuse. Je m'évadais dans un monde que je me faisais dans ma tête, un monde qui était meilleur que ce que je vivais, hein, évidemment, parce que c'était un rêve, voilà. Et il faut que vous sachiez que ma première école, l'école que je fréquentais, c'était le Collège de France. Mais faute de moyens, ma mère a dû me changer d'école et on a fréquenté les écoles catholiques. Les écoles catholiques, ça m'a donné beaucoup d'opportunités, ça m'a permis de fréquenter des gens de tous les niveaux sociaux et ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Mais il faut que je vous avoue une chose, hein. Fréquenter l'ESCA, parce que j'étais à l'ESCA, donner en ces temps-là, je ne sais plus maintenant, une certaine notoriété à Tama, parce que les garçons allaient courtiser hein, les filles de l'ESCA. Mais je ne faisais pas partie de ces filles-là. Mais non, sans connotation négative, hein, je ne faisais pas partie de ces filles-là. En fait, je faisais partie des invisibles de l'ESCA. Qu'est-ce que c'est invisible? C'est... Vous savez, quand vous appartenez, quand vous vivez dans une société, ben, les gens suivent la mode, par exemple. Moi, mes vêtements n'étaient pas à la mode. Mes tantes cousaient mes vêtements, elle est là d'ailleurs, juste là derrière, c'est elle qui faisait mes robes. C'est comme ça que je vois. Et surtout, la partie la plus comique, je dirais, c'est quand ma grand-mère me forçait à mettre un chapeau de paille pour aller à l'école pour nous protéger du soleil. C'était vraiment, vraiment ridicule, mais ça ne passait pas par nos têtes de contrarier notre grand-mère. Donc, on allait à l'école, on venait à l'école, mais c'était juste pour étudier. Voilà ma classe. Alors, bizarrement, hein, quand j'ai fait ce storytelling, quand j'ai fait le script, j'ai réalisé que j'ai fréquenté une classe de filles, en fait. Donc, régime matriarcal, classe de filles, allez savoir. Ça, c'est moi. Oui. Ça, c'est moi. Donc, ça, c'était la classe de première G1. J'avais des amis à l'ESCA.
Mais ces amis-là, c'était, ils m'aimaient bien parce que j'étais toujours la cadette. J'étais toujours la cadette de ma classe, donc j'étais un peu comme la chouchou de mes amis. Alors j'ai eu mon bac à 16 ans. J'ai eu mon DTS à 18 ans, qui est le diplôme de technicien supérieur. Et voilà, parce que ma mère ne pouvait plus tellement prendre en charge la suite de mes études, parce que ma sœur était aussi à l'université en ce moment-là, j'ai décidé de rentrer dans le monde professionnel. Donc j'ai commencé à travailler à 19 ans. J'avais peut-être de la chance, si j'appelle ça de la chance, d'avoir commencé tôt et tout de suite dans un organisme international. Et c'est là que j'ai rencontré ce garçon mystérieux qui allait devenir mon mari. C'est lui, je ne sais pas, il n'est pas là, il est en train de la préparation de sa compétition, donc... Ce garçon travaillait avec moi, il s'appelle Tabou, hein, vous ne le connaissez pas. Il avait alors 24 ans, et il s'intéressait beaucoup aux voitures. Voilà, c'est d'ailleurs son travail aussi, hein, il est mécanicien. Voilà, comme tous les garçons de son âge, peut-être, les filles s'intéressaient beaucoup à lui. Mais malheureusement pour elle, c'est moi qui l'ai choisi. Moi. Et en ces temps-là, je ne le connaissais pas tellement. Je le connaissais comme un garçon charmant. Voilà, mais plus tard, j'ai appris que, en fait, il appartenait à une famille qui adorait le sport automobile et que c'était un rallyman en fait. Mais vous allez peut-être être surpris parce que je vais vous dire, ça ne me faisait ni chaud ni froid parce que je n'aimais pas le rallye. Alors, le mois de décembre 1998, on s'est mariés. Il avait alors 25 ans et moi 20 ans. Très tôt. L'année d'après, nous avons eu notre enfant, notre premier enfant qui est là d'ailleurs, elle est juste là. Coucou. Et puis, les trois premières années de notre mariage étaient consacrées au bébé. Tous les 13 mois, on avait un bébé qui arrivait dans notre famille. Mon mari continuait toujours à faire le rallye. Je le poussais à faire sa passion parce que c'est le seul moyen pour lui de s'évader, voilà, il aimait bien ça, donc c'était sa passion et je ne l'ai pas privé de sa passion. Moi, personnellement, je ne m'intéressais pas encore, pas du tout au sport, à son sport, mais de temps à autre, je vais le voir avec les enfants. En 2004, j'accouchais alors de mon petit dernier qui est grand maintenant, il est juste là, il est là. Et mon mari était sur un projet qui le tenait tellement à cœur, c'était de faire sa voiture de rallye. Donc il construisait sa propre voiture de rallye. Pour vous qui ne connaissez pas les spécificités ou les détails techniques d'un rallye, pour qu'une voiture soit acceptée pour faire un rallye, il faut des mesures de sécurité strictes qu'il faut suivre. Donc c'est ça qu'il voulait. C'était ça son projet. Alors il était dedans et il en parlait avec la fougue d'un enfant, il adorait son projet, il partageait avec nous. Et à la fin de cette année-là, il allait essayer cette voiture pour qu'en 2005, il puisse faire tout le championnat. Alors il allait courir sur le tout dernier rallye de l'année, qui était le rallye international de Madagascar en 2004. Je le voyais pétillant quand il parlait de ce projet, hein. Mais un beau jour, vous voyez, je vais vous expliquer d'abord avant de vous raconter, c'est un beau jour, hein. C'est pas tellement un beau jour. Pour faire le rallye, il faut qu'il y ait trois choses très importantes. Bien sûr, il faut la voiture bien préparée, avec tous les systèmes de sécurité en place. Il faut un pilote, il était là. Il faut aussi un copilote. Voilà, le rôle du copilote, c'est de lui dicter les obstacles et les dangers
que cette portion de route là où on va aller très vite. Et c'est le copilote qui va lire ses notes. Et c'est pour ça que quand vous faites, vous cherchez sur Google par exemple, quand vous parlez de copilote, vous voyez ces trucs-là et vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Ce sont les dangers qu'il y a sur la route. Par exemple, je vais vous dire un peu ce qu'il y a là. C'est 100 mètres long, gauche à fond, sur gauche, 140. Ça, c'est la première ligne. Ça veut dire qu'il y a 100 mètres de ligne droite. Il y a un tournant à gauche qui est très long, mais qu'on peut aller à fond, donc il ne va pas décélérer, et qui sera suivi tout de suite par un virage à gauche, qu'on peut aller à 140 km/h. Par exemple, voilà ce qu'on dit. D'accord? Alors, pendant que vous lisez ça, alors ce matin-là, il est arrivé à la maison. Il avait l'air d'un chien abattu. Et je n'ose pas tellement lui demander. Je lui dis, alors qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je ne peux pas faire de la grâce. Je lui demande pourquoi. Il me dit, parce que personne ne veut être mon pilote, parce que ma voiture est vieille. Il faut que vous sachiez que la voiture qu'il préparait en 2004 était une 504. Et en 2004, plus personne ne roulait en 504. Les gens commençaient à rouler sur des Volkswagen, des Clio. Alors, en disant cela, je l'ai vu vieillir de 20 ans aussi. Je l'ai vu s'éteindre. Et je regardais autour de moi. J'avais alors 4 enfants. Ils avaient 5 ans, 4 ans, 3 ans. Et le tout dernier, juste 8 mois. Et donc, il n'y avait plus personne d'autre que moi dans la maison. Alors, je lui dis, mais c'est difficile. Il me répond, pourquoi? Je dis, de faire le copilote. Il me dit, pourquoi? Non, ce n'est pas difficile. Et j'ai vu la lueur revenir dans ses yeux. Et il m'a dit, mais tu veux le faire? Et j'ai dit, mais tu as une solution? Il n'a pas d'autre alternative. Et voilà, mesdames et messieurs, voilà comment je suis arrivée. Je suis arrivée dans une voiture de rallye, vraiment par accident, par élimination. Et mon mari aimait bien apprendre des choses et il m'a dit que la définition du rallye, c'était une épreuve d'endurance et de régularité. Depuis ce jour, c'est devenu mon slogan dans la vie, endurance et régularité. Voilà, ça c'est nous. Pendant que je bois de l'eau, admirez-nous. Et depuis ce jour, le règlement des rallyes sont devenus mes livres de chevet. J'apprenais le règlement parce que c'est quoi faire un sport pour une femme? Et plus j'avançais dans ce monde inconnu, plus la préparation psychologique, physique devenait intense, plus je comprenais l'importance de partager la passion. Parce que nous, on partageait cette passion. Et certes, nos enfants étaient encore très petits, hein, quand vous voyez sur la photo, ça c'est vraiment une photo réelle quand on a commencé de la vie. Hein. Ils étaient encore très petits, mais ils faisaient partie de notre team. Et à chaque fois qu'on faisait quelque chose de nouveau, que moi j'apprenais, parce que mon mari, j'avais l'impression qu'il faisait tout déjà, mais à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je l'apprenais aussi à mes enfants. Donc, à table, quand on parlait de rallye, je vois leurs grands yeux, c'est pas ils sont déjà de grands yeux, mais ça sera grand. Et voilà, mon mari ne ménageait pas du tout, hein. Il me considérait comme son coéquipier. Et c'est bien. Il m'a appris à changer les roues en un temps record. Je sais encore changer les roues, mais plus en un temps record. Il me faisait le tour du moteur de notre voiture. Je connaissais parfaitement le moteur de notre voiture 504. Il m'a expliqué tout le système de refroidissement d'une voiture. Et je savais pourquoi, toutes les raisons qui entraînent un surchauffe moteur. Je parle de notre moteur de la 504. J'ai appris tant de choses en insistance, en
bien cette aventure-là. Et puis, je partageais quelque chose avec lui, on passait du temps ensemble. Donc, c'était bien que j'aimais bien. Une des obligations pour avoir la licence du rabbi, c'est de passer la visite médicale. Il n'y a qu'une personne qui peut vous déclarer apte à faire le rabbi, et c'est le médecin fédéral. Alors, avant de vous parler de cet épisode, de mon chapitre pour aller passer la visite médicale, je vais vous ramener en 1994. Alors, en 1994, j'étais en terminale et j'avais une mauvaise posture que ma maman associait beaucoup avec le fait que je suis gauchère, parce que je suis gauchère, donc j'écrivais bizarrement. Mais après des épisodes de maux de dos fréquents, elle a décidé de m'emmener voir un spécialiste. Alors, je vais vous épargner les détails de cette chose-là, mais on a vu ce spécialiste et le verdict était ahurissant. Ça, c'est un mot français qui dit vraiment ce qu'on a ressenti. C'était ahurissant. J'avais une scoliose dorso-lombaire. Alors, moi, je pensais dans ma tête que on va voir ce médecin, il va me prescrire des médicaments, je prends les médicaments et hop, ça va aller. Non, non, c'est pas ça. La scoliose dorso-lombaire est une malformation de la colonne vertébrale et qui était en évolution et qui allait me tuer. Et carrément, les médecins pouvaient calculer scientifiquement la date de ma mort. Par l'évolution des courbes de mon dos, j'avais les deux courbes. Alors sur votre droite, vous voyez une radio d'une scoliose dorso-lombaire sur Internet. Et sur votre gauche, vous avez ma scoliose dorso-lombaire. Et c'est une radio que j'ai faite il y a un mois. Donc je suis ici devant vous avec ce dos très joli, avec de jolies courbes. Parce que je m'appelle Sainte. Yeah. Et voilà, c'était la malformation et c'était sur le point de me tuer. Et moi, j'avais juste 16 ans en 1994 et le médecin parlait plutôt à ma mère qu'à moi. Et ce que j'ai entendu dire, parce que je n'écoutais pas non plus, je vais vous dire trois points, par exemple, là, de ce que ce médecin a dit. Alors, sans chirurgie, j'allais mourir. Avec la chirurgie, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Ou, par miracle, si j'aurais un jour des enfants, ce sera un grave problème, je ne pourrais pas accoucher normalement, je devrais être assistée par césarienne. Je n'invente rien, elle est là. Et donc, je comprenais parfaitement ce que ma mère avait dans la tête parce que ma famille n'avait pas les moyens pour faire la chirurgie. Parce qu'en 1994, mesdames et messieurs, personne ne faisait de chirurgie de la colonne vertébrale à Madagascar. Donc, on a opté pour une solution de rechange, le plâtre. Du coup, on a plâtré le haut de mon corps pendant 8 mois. Voilà, et ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais quand il y a une mauvaise nouvelle, il y a quoi? Une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle! Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui avais la scoliose. Ce médecin, il a appris la scoliose, il connaît la scoliose, parce qu'il a fait des études, de longues études. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas de bonnes études, mais c'est moi qui avais la scoliose. Et croyez-moi, en 1994, j'avais 16 ans, je n'avais pas la bonne impression que j'allais mourir. Non, je ne ressentais pas la mort me guetter, donc dans ma tête, je dis qu'est-ce qui puisse être ça. Mais bon, ça, c'est cette partie. Bien sûr, je ne vous dis pas que je vis avec la scoliose et tout va bien. Cette malformation a engendré une asymétrie au niveau de ma hanche.
Et bien que je ne boite pas quand je marche, j'ai toujours une douleur à l'hanche et au bas de mon dos quand je marche. Je marche loin. Du coup, je ne peux pas faire des trails ou ces challenges du temps. Je ne pourrais pas les faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne marche pas. Je marche pour aller de la maison à mon bureau et au retour, ce qui constitue 10 minutes de marche à l'aller et autant pour le retour. Certaines personnes diront que c'est peu, d'autres diront peut-être que c'est trop, mais moi je trouve que c'est assez pour moi. En tout cas, pour moi. Alors, donc je vous ramène dans le bureau du docteur. On est allé voir ce médecin fédéral parce que je vais aller chercher ma licence pour faire copilote de mon mari. Et voilà, il me fait passer tous les tests que je passe avec brio. Mes yeux vont bien, ils vont toujours bien. Je distingue très bien les couleurs, qui est très important quand on fait le rallye. Donc je vois très bien que mamie, par exemple, met un truc bleu-vert. Le coussin qui est derrière moi, il est rose. Donc, je le vois très bien. Je n'ai pas de problème de tension artérielle. Et j'ai fait les 30 flexions obligatoires sans trop m'essouffler. Et je peux avoir un battement de cœur normal après l'effort. Donc tout va bien. Je suis apte. Non. Quand le médecin il a appris que j'avais la scoliose, il m'a dit cette phrase qui ne peut pas sortir de ma tête. J'espère qu'aujourd'hui, on vous le raconte, ça va finalement partir, mais il m'a dit le rallye, c'est un sport qui est contre-indiqué à ceux qui ont la scoliose. C'était le monde s'écroulait autour de moi. C'était vraiment, c'est une chose que je n'osais même pas imaginer. Et voilà donc comment je suis réduite, une femme qui ne peut pas faire de la vie. Et pendant que lui, il entrait dans une explication scientifique, et j'ai beaucoup de respect pour ce médecin, je ne le blâme pas, il connaît la scoliose, il l'a appris, mais je suis plus cette petite fille de 16 ans à qui on a annoncé la scoliose. Et j'ai prouvé dans ma vie que je pouvais faire des choses que les gens normaux pouvaient faire. Donc, il a prononcé dans une phrase, je suis sûre par inadvertance, parce que je ne me souviens vraiment plus du contexte, ni même de la phrase, mais je me suis souvenue du mot handicap. Et non, mesdames et messieurs, sachez que la scoliose est une malformation. Et pas un handicap, c'est pas un handicap. Et même si c'était un handicap, c'est la société qui stigmatise les handicapés. C'est la société même qui nous définit. Et par curiosité, j'ai regardé sur Internet. Et voilà ce que je trouve. Handicapé, amputé, défavorisé, déshérité, estropié, inadapté, incurable, infirme, invalide, mutilé, et j'en passe. Je ne vais pas inventer, Allez, vous avez le code Wi-Fi, cherchez sur Internet. Ce sont les synonymes du mot handicapé. Voilà ce que la société pense des gens qui ont un handicap. Voilà, on le voit. Et croyez-moi, quand on vous classe dans cette catégorie, vous êtes cassé psychologiquement, émotionnellement, et sans parler que physiquement donc, vous êtes déjà cassé. J'étais cassé. Alors, moi, ce n'était vraiment pas le mot handicapé qui m'a choqué. Pour moi, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un autre que moi me dire mes limites et mes capacités. Ça, je n'aimais pas tellement. Je n'aimais pas. Alors, dans ce bureau du directeur, du docteur, j'étais réduite à une femme handicapée.
je me faisais des films hein, sur cette histoire-là. Et soyons clairs, c'est cette limitation-là qui me dérangeait. Je n'acceptais pas. Lui, peut-être qu'il a complètement raison, ça fait rien, mais moi, non. Je vivais avec la scoliose, je pouvais faire des choses, et je n'ai pas qu'une preuve vivante, j'en ai quatre de preuves vivantes. Ils sont bien vivants. Et pour votre information, je les ai accouchés tous par voie normale, sans césarienne. Partout, alors ça aide. Mais ils vont un peu plus loin.
nombreux sur Internet et ils disent les sports de combat comme le judo et le karaté. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je vais vous lire, je vais parler avant, parce qu'ils induisent de nombreux gestes automatiques. Pardon, mais je ne fais pas non plus de sport de combat et je ne fais aucun sport de contact. J'ai décidé que je ne fais pas de sport de contact parce que je n'aime pas qu'il y ait un contact avec mon dos. Et vous ne le savez pas peut-être, mais je n'aime pas qu'on touche à mon dos. Je n'aime pas, même les tapes amicales, je n'aime pas. Non. Et je n'aime pas m'asseoir là où il y aura quelqu'un derrière moi parce que j'ai toujours l'impression que quelqu'un va me toucher le dos. Donc ça, ce sont mes petites phobies que je me suis faites. Ce sont mes limites que je me suis imposées. Et c'est moi-même qui me les imposais. Hein. C'est ni la science, ni la médecine. Voilà. Alors, avec mon mari, on a fait le rallye pendant 3 saisons. Et après 3 années, des obligations professionnelles m'ont forcé à quitter le pays pendant plus d'un an. Et c'était mon mari qui s'occupait de mes enfants. Je vais vous parler un peu de ce voyage. C'était en Irak. Alors je partais en Irak en 2009-2007 et c'était encore au temps de la guerre. Vous pouvez chercher sur internet, c'était vraiment encore pendant la guerre. J'ai décidé de partir en Irak parce que on avait besoin d'aide pour le peuple irakien et pour aider à reconstruire l'Irak. Ça, c'est ma version officielle. La raison pour laquelle j'allais en Irak, c'était carrément par défi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai reconstruit l'Irak ou le prochain, mais j'étais là-bas pour défi. Par défi, parce que pour moi, là où le commun des mortels hésitera, moi j'y vais. Voilà. Je voulais montrer à moi-même et aux autres que je pouvais faire plus. Ça, moi, ça s'appelle des complexes, des handicapés peut-être. Je ne sais pas. Mais voyez-vous, quand je suis arrivée en Irak, cette expérience m'a donné une opportunité de me connaître, qu'est-ce qui vous fait rire, et surtout, cette opportunité d'aller vers l'autre, qui est très importante. C'est important d'être là pour l'autre. J'ai beaucoup appris de ce voyage. Je vivais avec plus d'une vingtaine de nationalités. J'ai appris à gérer mon stress sous les bombardements, parce que oui, on nous a traités avec de vraies bombes. J'ai appris à me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Et aussi, j'ai appris à arrêter de me soucier des choses que je ne pouvais pas contrôler. Ce séjour en Irak m'a aussi appris à compter seulement et uniquement sur Dieu. Et Dieu, mesdames et messieurs, c'est selon la définition. Je croyais en cette force surnaturelle qui m'a protégée, qui m'a aidée à survivre les attaques, les bombardements, qui ciblaient l'endroit où je me trouvais. J'endurais vraiment des situations que normalement, avec ma scoliose, il était impensable pour moi de faire. Par exemple, mon gilet pare-balles que je devais avoir tout le temps sur moi pesait 20 kg. Alors ça n'a rien à voir avec les gilets pare-balles que vous voyez dans les films, mais ce sont des gilets de guerre où il y a vraiment des plaques qu'on met à l'intérieur de dos et de face. Et ça, c'était 20 kg. Aussi, mon casque pesait 2,5 kg, sans compter du parka que je devais toujours porter sur moi, et que la plupart du temps, je dois courir avec, courir pour sauver ma vie. Donc, je l'ai fait. J'étais vraiment étonnée de mes capacités. Je l'ai fait. Est-ce que j'avais eu peur? Oui,
trouvé une peur. Est-ce que j'avais des doutes sur mes capacités? Oui, par moments, surtout quand je réfléchissais. J'avais des doutes. Parce qu'il faut que vous compreniez que, avec ma scoliose, le poids que je peux soulever est limité à 5 kg. Donc, avoir un veste, avoir un départ par de 20 kg n'était pas comme ça. Mais, est-ce que j'hésitais à faire ce que je devais faire? Non, jamais. Jamais je n'hésitais à faire ça. Jamais, en une fraction de seconde, j'ai passé tout ce qui est handicap, mes limites, je ne sais pas ce qui peut se passer dans ma tête, et je me concentrais sur le son des bombes qui allaient me tomber sur la tête si je ne réagis pas. Donc j'y vais. Je ne réfléchis pas, j'y vais. Et voilà. Mais il y avait aussi des moments tendres hein, en Irak. C'était cette fois où on allait dans un orphelinat. Et il faut que vous sachiez que en Irak, les enfants qui sont orphelins, tous les parents sont morts de la guerre. Et ces enfants-là qui avaient donc l'âge des miens, en ces temps-là, ils n'avaient jamais vu de jouets. Ils n'ont jamais vu de piscine de toute leur vie. Mais on venait là-bas, ils avaient le sourire sur le visage, nous voyons arriver avec toute la troupe, hein, c'était avec des escortes, et ils souriaient. Alors on a décidé de les emmener dans notre résidence, dans notre piscine. Ces enfants n'avaient pas vu de piscine, n'ont jamais vu de piscine. Alors il y avait ce petit garçon de 7 ans très frêle que je portais, que j'emmenais dans l'eau, et qui s'approchait à moi, il avait très peur, mais sa curiosité et son allégresse d'aller dans cette piscine dépassaient ses peurs et je ne sais pas, il s'approchait à moi, je l'emmenais dans l'eau et c'était magique. Moi j'avais l'impression de servir à quelque chose, à ce petit garçon-là. Voilà, je n'avais pas mes enfants avec moi et voilà que j'ai un petit garçon de 7 ans. Lui, il ne parlait que l'arabe, moi je ne parlais que l'anglais. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait, il ne comprenait rien à ce que je disais, mais on parlait tout l'après-midi. On parlait avec des gestes, on riait. Voilà, c'était bizarre, mais on a passé tout l'après-midi. Et je trouvais ça magique et j'ai oublié. À un certain moment, j'ai oublié que j'étais en Irak. Hein. Vous savez, si je devais me concentrer sur le fait que Louis était orphelin, il allait revenir à l'orphelinat, avec tout ce que cela comporte de danger, de trucs malheureux, et moi, loin de ma famille à Perpète là-bas, et je viens toute seule dans ma chambre, hyper protégée des bombes, mais toujours je vis seule, on ne s'en sortirait pas. Il faut apprécier les choses simples de la vie, au quotidien, et voilà comment on s'en sort. Vous savez, tous les jours, en Irak, on se bat contre les balles perdues, on se bat contre voilà, les attaques qui venaient de tout, on ne sait pas où. Et donc il faut se concentrer sur très peu de choses pour pouvoir rester sain. Voilà. Plus jamais je l'ai revu ce gamin. Je suis sûre qu'il se souviendra, autant que je me souviens de lui, parce que ce moment j'ai été vraiment magique. Alors appréciez ma photo. À mon retour en 2009, le président de mon club de rallye, qui est malheureusement plus parmi nous, m'a suggéré, fortement suggéré, à me présenter à l'élection de secrétaire général de la Fédération du sport automobile de Madagascar. Il pensait que j'avais l'expérience nécessaire et j'avais la connaissance pour occuper ce poste. Alors, en 2010, j'ai été élue à la majorité secrétaire générale de la Fédération Malgache des Automobiles, FSA. Alors, mon passage à ce poste m'a donné un autre angle de vue à ce sport que j'aimais désormais. Ce sport qui est toujours, hein,
mon sport familial. Comme il n'y avait pas de passation entre le secrétaire général sortant et moi, donc, et comme il n'y avait pas non plus de terme de référence clair, parce que apparemment dans cette fédération, tout le monde fait ce qu'il veut, je me suis dit dans ma tête, je vais faire des recherches et je vais me comparer à d'autres secrétaires généraux, d'autres fédérations locales et internationales. Et le fait que je parlais couramment l'anglais m'aidait beaucoup parce que je pouvais lire des documents de la fédération internationale. Et ceci m'a permis de donner une opportunité à toutes les parties prenantes du sport automobile de Madagascar, je dis bien tout le monde, à faire des formations d'un niveau international. Alors, sur la photo, vous voyez, ici, c'était une formation pour tous les officiels de course. Il y avait un certificat et les formateurs venaient de Londres. Ici, c'était pour les dirigeants, pour nous apprendre à gérer les fédérations, les clubs. Ici, c'était plus technique, c'était sur l'impact environnemental de notre sport, parce que oui, il y a toujours un impact. Et je me souviens qu'en ces temps-là, on avait même des projets de loi qu'on allait proposer à l'ONE, l'Office national de l'environnement, parce que moi, j'ai appris pendant cette formation-là que, vous voyez, quand nos voitures de rallye passent par la campagne là-bas, il y a un ruisseau de moteur qui explose, ça c'est l'arcasse qui explose, hein. On l'appelle le bang-bang. Les poussins meurent. Je ne savais pas. Donc, quand on passait par les fermes, on tuait quand même des poussins. Des poussins. Des poussins. En plus, ce qui était bien, c'est que notre dossier de demande de financement était très bien élaboré. Je pense de plus que la Fédération internationale m'a demandé de former les autres fédérations africaines qui avaient du mal à le faire, surtout les francophones, parce que les dossiers doivent être en anglais. Et du coup, en 2012, ils m'ont envoyé à Maurice pour aller former les autres fédérations des autres pays d'Afrique. Et ça, c'est quand j'étais là-bas, j'étais en train de faire ma présentation et tout. Super. Voyez-vous, jusque-là, je ne dérangeais personne. Personne. On voyait en moi un bout de femme handicapée qui faisait le rallye avec son mari, rien de plus. Mais à partir du moment où je faisais des choses par mes propres moyens, alors je m'attirais la foudre. Je m'attirais la foudre. Alors on m'a fait comprendre par tous les moyens que c'était un monde d'hommes et que je n'avais pas de place dans ce monde-là et je ne devais pas avoir d'idées, je ne devrais pas avoir d'initiative et encore moins de projet. C'était leur monde. Qu'est-ce que je fais là? Malheureusement pour eux, la Fédération internationale m'a déjà remarqué et Madame Michèle Mouton, qui est sur la photo, pour ceux qui ne connaissent pas Michèle Mouton, c'est la seule femme qui a gagné le championnat du monde de rallye. C'est toujours la seule femme qui est en ce temps. Et c'est lui maintenant qui, c'est elle maintenant qui dirige la commission Women in Motorsport de la Fédération internationale. Elle m'a donc nommée coordinatrice des Women in Motorsport en Afrique. Vous voyez, l'Afrique était fière de moi. L'Afrique était tellement fière de moi. Et moi, j'en avais les larmes aux yeux parce que je ne voyais pas ça venir. Et j'avais hâte de rentrer au pays pour le raconter aux gens et pour montrer aux malgaches que, ok, avec mes petites capacités, j'ai pu emmener la couleur malgache assez haut. Non, mesdames et messieurs, non, ça ne se passe pas comme ça. Arrivé au pays, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que c'est un monde d'hommes. Et ce qu'une femme réalise, ça n'a aucune importance. Voilà. Mais ça fait un an.
supérieur pour moi. Et en plus, je continuais à apprendre le règlement national et international. J'étais convaincue que je promouvais ce sport à mon niveau. Je continuais mon petit combat, je cherchais des petites formations pour les pilotes. On était à Londres, on continuait notre chemin. Et ça m'a valu encore une reconnaissance de la Fédération internationale qui m'a donc nommée observateur et commissaire sportif des rallyes qui compte pour le championnat d'Afrique. Je note avec fierté que je suis la seule femme africaine à avoir ce titre. Cette nomination m'a permis de voyager dans toute l'Afrique. J'ai été ici, j'ai été au Sasol de l'Afrique du Sud, ici j'ai été en Mozambique, et ça c'est le circuit de Karté qui est en dessous du niveau de la mer. C'est le seul. Ici, c'était avec les Kenyans. Et là, c'était dans le rallye légendaire du Bandama, en Côte d'Ivoire. J'étais officielle là-bas, j'étais présidente du collège des officiers. J'étais aussi à Mountain Gorilla, rallye qui était au Rwanda. J'étais à Botswana. Ici, j'étais en Zambie. Et là, j'étais en Ouganda. Donc, je voyageais pas mal. Hein. J'étais dans l'océan Indien, comme je vous ai dit, j'étais en Maurice. Et puis j'ai été directeur de course d'une compétition à La Réunion également. Vous voyez, dans cette partie de mon récit, je défiais le jugement des autres. Pour moi, ces hommes étaient des machos. Et je refusais de me soumettre à leur opinion ou idée. Moi, je savais que je promouvais ce sport. Je continuais ma route sans faire attention à eux. Après ma nomination au Women Motorsport en Afrique, j'ai commencé le chapitre malgache. Là, c'était nous, les malgaches. C'est les malgaches. Jolis malgaches. Alors, après avoir étalé le projet à toutes les femmes malgaches, nous avons uni nos forces et Dieu est témoin de nos réalisations. Ces réalisations viennent de simples séances de Zumba, ici, pour maintenir une bonne forme. Après tout, on est des sportifs. Hein. Jusqu'à aller organiser un manche de championnat de Madagascar des rallyes, seulement organisé par des femmes, et toi, tu es là. Et tout ça, en passant par des choses peut-être petites, peut-être grandes, mais par exemple, ici, c'était... Lors du salon de l'auto, on a fait faire signer des pétitions pour la sécurité routière. Voilà, on a fait des choses et c'était vraiment très bien. Et cela a eu l'effet d'une bombe atomique dans cette mode à prédominance masculine. Et lorsqu'ils ont décidé de semer la zizanie entre ces femmes qui, ensemble, soulevaient des montagnes, ils ont réussi à casser l'union. Et donc, parti. En même temps, j'ai découvert qu'il y avait eu des détournements des fonds de la Fédération internationale. Donc, toutes ces jolies histoires que j'ai peintes en rose précédemment, ça commençait à tourner au cauchemar. Les menaces fusaient de partout et la direction de Women in Motorsport à Madagascar m'a été retirée. Et je ne flanche pas. Dans la foulée, mais vraiment dans la foulée, avec deux personnes très futées que j'apprécie particulièrement, on a créé WeMove Madagascar. WeMove Madagascar existe toujours, voilà. Alors, nous décidons de continuer nos bonnes actions. On a entrepris sous Women in Motorsport et d'élargir notre champ d'action en promouvant la participation des femmes dans tous les domaines et à tous les échelons de la société. Voilà Women in Madagascar. Et en même temps, je me suis retirée de tout ce qui est administration du sport. Et vous voyez, mon mari, si vous connaissez, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, pas comme moi.
Mais grâce à lui, qui m'a gentiment rappelé d'où je venais, il m'a proposé de revenir dans ma place privilégiée, qui est donc dans son baquet de droit. C'est une bonne chose. Alors cette année-là, en 2016, j'ai repris ma licence. Je suis apte à faire le rugby. J'ai repris ma licence et on a couru pour tout le championnat en 2016 sur une toute nouvelle voiture, la Photon. Vous voyez, cette année-là, non seulement le rêve d'enfant de mon mari s'est réalisé, parce que depuis tout ce temps, il rêvait d'être pilote d'usine, pilote de rallye, pilote officiel, je ne sais pas. Et oui, Ocean Trade l'a réalisé, il nous a donné la voiture et le soutien nécessaire pour faire participer à toutes les compétitions qui comptent pour le championnat de Madagascar. Et puis, c'est quoi la chose la plus importante? Je suis de retour. Non, c'est pas important, mais je suis de retour. Et à notre grande surprise, presque 10 ans après, notre tandem est toujours naturel et on a gagné le titre de champion de notre catégorie. Et chose qu'on n'a pas attendu, on ne s'est pas attendu à ça du tout, c'est qu'on est vice-champion de Madagascar, des rallyes. Alors avec un pick-up diesel, c'était un peu le summum. Voilà. Mais moi, je vais m'applaudir.
Et par exemple, j'ai eu l'opportunité d'aller en Ouganda. Ça, c'était par le Pearl Africa Uganda Rally. C'était en 2017. Et là, j'étais en train de monter le Women in Motorsport. Voilà. C'est moi qui ai gagné. Et puis, il y a WeMove Madagascar. Cette petite association qui me tient vraiment à cœur. C'est quoi WeMove Madagascar? Le but de cette organisation, cette association, c'est de promouvoir la participation des femmes afin d'avoir un impact positif sur la société. Oh là là, très facile à dire. Très facile à dire. Mais vous voyez, on n'a jamais cherché midi à 14h chez WeMove Madagascar. Nous avons commencé par nous-mêmes. Par exemple, la façon dont nous communiquons sur les réseaux sociaux, la façon dont nous parlons aux autres, ou juste un petit sourire tous les jours. Voilà comment on a commencé. Mais il y a également des actions plus ciblées. Par exemple, on a fait des levées de fonds pour financer quelques-unes de nos actions. On a fait des formations pour améliorer la capacité des femmes à faire des choses. Et on ne se limite pas, hein. On forme les femmes dans toutes les choses que nous on peut apporter. Et voilà, c'est vraiment bien pour nous d'être ici en Extra, de voir toute cette infrastructure-là, parce qu'une petite association comme nous, ben, on en profite vraiment, on peut vraiment en profiter. Donc merci. Et là, j'ai trop parlé. Je vais vous montrer une petite vidéo. Une des choses qu'on a réalisées également, c'était la traduction d'un film de Luc Besson en malgache pour sensibiliser sur Bring the kids to work, to schools, yeah, to school day. Ça, c'est pour les enfants qui vont. Thank you.
J'ai survécu à cet échec-là. J'ai solidifié mes fondations pour avoir une vie meilleure. Et on n'échoue pas tous les mêmes choses. Mais vous voyez, l'échec est inévitable dans la vie. À moins que vous viviez tellement, tellement avec précaution que vous ne vivez pas du tout. Et donc quoi? Vous échouez par défaut. Donc on échoue. Et voilà. N'ayez pas peur d'échouer. Et pour finir, j'ai un souhait pour vous. Je préfère faire un souhait pour finir. C'est une chose que moi, personnellement, j'ai depuis le début de mon parcours et de mon aventure. C'était vraiment le soutien de ma famille et de mes amis, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle ou qu'il neige. Je vous dis, pendant ces temps-là, je croyais qu'il neigeait un peu. Ces amis sont devenus des tantes pour mes enfants et ce sont les personnes vers qui je me tourne dans mes moments de tourmente. Vous voyez, ces gens-là, ils sont bizarres, mais je me demande pourquoi ils ne me prennent pas en justice pour tout ce que je leur inflige. Mais nous avons de l'affection les unes pour les autres et nous avons partagé des moments qui peut-être n'arriveront plus jamais, mais qui font partie de nous. Et aujourd'hui, alors, je vous dis, expérimentez cette amitié-là. Expérimentez, vous verrez, vous allez très loin. Personne ne réussit seul. Ça, c'est impossible. Il a fallu des choses, quelqu'un, un petit soutien, un petit conseil, un petit tape dans le dos que je n'aime pas, pour vous faire avancer. Et vous voyez, j'arrive à la fin de mon histoire, mais je peux vous assurer qu'en ce moment, je suis encore en train d'expérimenter de nouvelles expériences et de nouvelles aventures pour ma famille. Je vais aller vers l'incertain encore et je vais emmener toute ma famille avec moi. Et je n'ai pas envie de vous dire de quoi il s'agit pour l'instant, mais je vous promets que je vais faire un autre storytelling sur cette partie de ma vie-là, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous garder trop longtemps et j'ai envie que vous vous concentrez seulement sur cette partie de ma vie, sur le sport automobile. Mais je vous assure, la vie est faite d'expériences, de surprises, d'échecs, de tristesse qui nous fait apprécier la joie. Et si vous n'avez rien retenu de tout ce que je vous ai dit, parce que je parle trop, je voudrais que vous reteniez cette sagesse ancienne qui dit « La vie, c'est comme une histoire. Ce qui est important, ce n'est pas sa durée, mais sa qualité. » Je vous remercie. Guanyamos el
j'ai surtout choisi ces petits textes-là par rapport au thème que je traitais par slide. Oui, mais il m'inspire beaucoup. Oui, madame. Anelka. Oui. Mando, Aradani, Faita, oui, Famesa Pani, Sainte, Woman Empowerment, et les cinq émissions, les mouvements de Pesca, des impacts en fin de la Tonalo, qui s'appuient au mouvement de Pesca, en revêtant, c'est la pire, ça veut dire, grâce au mouvement de Pesca, tient à l'issage en fin de la Tonalo. Alguém tem um ponto lá? Missionei na nata de Israel, né? Se a mãe não sabe, tá? E participa a nossa vaga e faz missa. Se a tia não olha as mãos, fica. E a mãe não faz nada para fazer, né? Tá tudo lá. Se a tia não para, a nina não sabe, já que ele mais entende. Me apornou a nina. Am găsit aceea, de exemplu, la restul s-o să fie sene de candidă, de aia ca ne-a făcut fără vorci. Eu viziu, din tagia mea ca ne-a făcut. Izei, mi s-au cea mai tare, dar nu ți s-au cea mai guadă la ei, așa că am făcut din țară, îi m-a gândit acolo, mi-a nată de chizere, mi-a compania mai, mi-a dăbărit să cam făcut și mi-a dat. Izei ne cream de miliu social, o să fiți mai zis, mi-a dat, se așa social, na deficiência é um exemplo na empresa que está lutando dia de tanto tanto isso impacta no dia 15 de fato essa crise de papel na nossa família também a gente tá e o projeto eu neto na mão da nossa família mas a frente também realiza não sei algo para não ver dia chuva o cabeça na Argentina na fazenda de Uruguai să facem acolo, iar neva să ne împarți. Sezana e ca firă de miță, bățuie, uita nu am sortuna, mai e în rețul socioa, mai e în fiecă, nu la rezultat, mai e în sană, mai chiar pe, andea e stară la factura, pe acasarea, uita nu am sexu, mai e în ața la sană, famenea, mergea e putut sană, fa fiind chertă, nu e tânăi, ci bucă, sană, fa fa ciove, Ini dia nak mengurus mawai, faham? Repaisai, kualitan yang apa dah kau betul? Saya dah tak eksis. Cuma ini nak cuba terus. Beda beli lah cuma dalam mengurus mawai kerja. Faham? Beda beli malah dalam mengurus mawai kerja. Sekarang kuat ni. Di miskin cuma kata jangan ni faham juga no. Mereka tahu ni nak makan apa mengurus mawai kerja. Nak makan ni. Buat jadi isai nak telefon datang dalam mengurus mawai kerja. Entah ni ni siapa kurang. Jangan saya nak mula. Am făcut rata, m-a făcut un tineris, m-a dit că te un tineris, m-a făcut ce credeți de la ce-a făcut, se m-a făcut un loge, m-a zis diploma, m-a intrat asta, o șantă, și am făcut o focă pe ea, nu zame, m-a intrat asta, și am făcut, m-a făcut un tineris, mi se achis, mi nu am ție rămas, dar vreau să am YouTube, adică nu s-a intrat pe ea, îți mai sunt tineris, te-am luat în memoan cu ce ne las, Afin nu am la nivou, lui, în tot ca aici, am la ecolo anglofon, în anglofon, în anglofon, în anglofon. Dar dacă e mai simțit, tot și-am dat lui, în tot aici. Ce s-a mandat sub? Am dat eu, a? Să citim, să citim la tatăl acasă.
Merci. 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 Va ohatra ka misy te anao visite Nexta izay tsy nahita le visite tamin'ny voalohany dia eo ny ekipa Nexta rehetra rehetra afaka mampanao visite antsika dia mankasitraka indrindra tsotra betsaka.